Bonjour les gens, je suis bien embêté en ce début de vidéo parce que ma phrase d'accroche habituelle, on m'a fait récemment remarquer que j'avais à peu près la même que Xeleco. Et donc on m'a taxé de plagieur, d'odieux plagieur. Donc comment je fais dans ces cas-là? Je vous insulte en début de vidéo, voilà, pour vous dire bonjour. Ça... Je pense que après on va me traiter de plagiat envers Antoine Daniel. Donc faut pas faire une insulte trop méchante. Bon bah bonjour les mangeurs de Mouktouk. Voilà, on va dire que ce sera bien comme ça. Donc, nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exvius version japonaise avec la dernière mise à jour qui a ajouté un événement Final Fantasy 3 ainsi que de nouveaux personnages. Donc on va passer tout cela en revue immédiatement. On va passer donc par les news qui montraient ces 4 nouveaux personnages. Les voici. Donc, personnellement, je les trouve pas très réussis les sprites de ces persos. Mais bref, peu importe. Donc nous avons le Chevalier Oignon. Aria, lorsque la molette voudra bien descendre, merci. Dash, ouais, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, il est un peu chiant son nom. Et Sarah. Donc bah, on va commencer par décrire rapidement Sarah. Donc ce personnage-là, natif 3 étoiles, qui va jusqu'à 5 étoiles, bon, on va très rapidement passer dessus parce que bien évidemment, vu sa rareté, c'est un personnage assez anecdotique. Bon, elle a tout de même une récompense de confiance assez sympa pour les soigneurs, puisque c'est une robe qui augmente de 15 points la défense physique, de 20 points l'attaque magique, et tout de même de 55 points la défense magique, et ça augmente également de 30% la résistance face au vent. Mais bon, rien de très fou. Pareil pour ses capacités, en fait elle est à mi-chemin entre une attaquante magique spécialisée dans le vent, une soigneuse et un peu une buffeuse, mais elle fait rien de très bien concrètement dans chacun de ses domaines, puisque côté soins elle a que cure et cura, donc ça vole pas bien haut. Elle a également un sort, et enfin une capacité spéciale qui permet de soigner toutes les altérations d'état d'une cible. Côté attaquante magique, ben ça se limite malheureusement au sort de vent, aéro, aérora et aéroga. Et côté buffeuse, ben, elle peut augmenter de par exemple de 50% la résistance face au vent pour toute l'équipe. Et elle a également un sort qui ben, cheer tout simplement, qui augmente de 40% l'attaque et la défense physique. Mais voilà, à l'heure actuelle, on a largement mieux et c'est pas au niveau de ses passifs qu'elle va se rattraper puisqu'elle a juste 20% de MP supplémentaire et 20% d'attaque magique supplémentaire avec ses passifs. Elle a également une résistance naturelle de 30% au vent et elle se caste auto-shell en début de combat, donc qui augmente sa défense magique de 20%, mais qui sera donc surplanté par n'importe quel buff plus puissant. Donc un personnage voilà, que l'on ne va certainement pas intégrer à son groupe. Elle a tout de même une limite burst pas trop mauvaise, hein, puisque c'est une AOE qui augmente de 50% l'attaque magique durant 3 tours, et 70% la résistance face au vent durant 5 tours. Mais là encore, bon, de là justifier sa présence dans un groupe... non, clairement non. Ensuite, donc, Dash... ouais, non, si on dit Dash, ça risque de pas le faire. Dash... alors, c'est un personnage assez particulier, puisque c'est un debuffer, mais vraiment spécialisé là-dedans. Déjà, avec la bannière des Veritas, on avait eu la petite fée, la team, qui était globalement orientée debuff, et ben lui aussi, c'est le cas, sauf que, contrairement au précédent personnage, lui, c'est un natif 4 étoiles qui monte jusqu'à 6 étoiles. Sa récompense de confiance est assez sympathique. C'est un accessoire qui augmente de 45 points l'attaque physique. Donc c'est à l'heure actuelle l'accessoire qui augmente le plus l'attaque physique en termes de points. Mais attention, il y a certains autres accessoires de par les pourcentages d'attaque qu'ils offrent qui sont finalement plus intéressants dans certaines situations, genre la récompense de confiance de Snow. Mais... voilà, c'est toujours ça de prix. Et donc, ouais, lui, bah, comme j'ai dit, c'est un pur debuffer, avec tout de même une
petite affinité avec la foudre. Donc il a quelques magies, il a Thundara et Thundaga, et il a également Osmose, donc pour se remettre des MP, ça c'est plutôt appréciable vu que ses sorts coûtent pas mal de MP, on va le voir. Et il a également Impéril qui diminue de 20% la résistance face à tous les éléments pour une cible. Et donc après, au niveau de ses capacités spéciales, bah, on retrouve un peu le même type d'attaque que possède Warrior of Light dans sa sixième étoile. C'est-à-dire une AOE qui va débuffer deux stats en même temps de 45% et qui coûtera à chaque fois 48 MP, ce qui est assez lourd quand même. Et ce qui justifie le fait qu'il apprenne nativement Osmose. Donc bah, il en a 4 de ces capacités-là qui constituent vraiment ses atouts majeurs. Donc, ce qui est marrant aussi, c'est que il a des mix de stats qui peut débuffer, qui est nettement différent des autres personnages présents à l'heure actuelle. Parce que c'était ça la volonté des développeurs, c'est de faire un débuffer qui diminuait des stats, enfin des combinaisons de stats qui n'avaient pas été vues jusqu'à présent. Donc, il a une capacité qui débuffe de 45%. L'attaque physique et la défense physique de toutes les cibles, une autre qui débuffe l'attaque magique et la défense magique, encore une autre qui débuffe la défense physique et l'attaque magique, et enfin une dernière qui débuffe l'attaque physique et la défense magique. Voilà, à chaque fois de 45% sur toutes les cibles et qui coûte 48 MP. À côté de ça, bon, quand même, passer rapidement sur ses passifs. Donc il a un plus 20% de défense physique, un plus 20% de défense magique, un plus 20% de points de vie. Il a auto-refresh également, donc il lui redonne 5% de MP à chaque tour. Il a une contre-attaque, mais pas une contre-attaque physique. Quand il se prend un coup, il a 20% de chance de débuffer l'auteur de l'attaque de 50% de défense physique. Et alors il est également immunisé à la paralysie et à la pétrification, c'est assez sympa ça. Et comme certains autres personnages masculins, il peut dans 5 petits pourcents des situations protéger des personnages féminins de l'équipe. Voilà, donc ça c'est plutôt anecdotique hein, au final. Après ses autres sorts, donc il a quelques autres petites choses, hein. Il a full break, hein. Bon c'est logique pour un debuffeur d'avoir full break, ça aurait même été étonnant qu'il l'ait pas. Donc je rappelle, un full break qui diminue de 30% toutes les stats d'une cible. Et après, il possède quelques attaques physiques tout de même. Donc une attaque, bon, je donne le pourcentage de dégâts que ça fait, hein, 200% de dégâts physiques répartis sur deux hits, mais son but c'est pas de faire mal, hein. De toute façon il a aucun bonus de stats d'attaque physique, c'est pas un bon personnage pour ça. Mais donc oui, cette attaque a en plus pour effet d'enlever tous les buffs et debuffs d'une cible. Donc bah, c'est un dispel tout simplement, mais en physique. Donc c'est quand même assez important qu'il l'ait. Parce que bah, tout simplement pour pouvoir enlever les différents bonus qu'une cible se serait mis, pour pouvoir derrière bien le redébuffer correctement. Et enfin, il a une autre attaque physique qui fait 300% de dégâts répartis sur 3 hits. Et qui diminue de 50% la résistance face à la foudre. Comme j'avais dit, petite affinité avec la foudre. Et enfin, il a un dernier sort donc, qui fonctionne de manière un peu aléatoire. C'est-à-dire que dans 75% des situations, ça lui permettra d'avoir des attaques de foudre durant 3 tours. Sur toutes les offensives qu'il va lancer. Et dans 25% des situations, bah, ça va faire un sort de ténèbres, enfin qui diminue de 50% les points de vie d'une cible, mais bon, bien entendu, ça fonctionnera pas contre les boss, ce genre d'attaque. Et enfin, sa limit burst, donc qui est bah, une attaque physique sur cible unique, qui fait 290% de dégâts physiques répartis sur 3 hits, c'est des dégâts de foudre, qui ignore la défense de 50% et qui a 100% de chance de paralyser. Sur des adversaires qui sont vulnérables à cette altération d'état, ça peut avoir de l'intérêt. Mais voilà, en soi, le concept du personnage est pas mauvais, mais dans la méta actuelle du jeu, j'ai du mal à me dire que ça peut être intéressant de mettre un personnage pur débuffeur dans un groupe. Au
au final, un personnage comme Warrior of Light pourra tout aussi bien débuffer un adversaire, et lui, il a l'avantage de pouvoir servir de véritable tank derrière, il a beaucoup plus d'outils. Lui, Dash, en dehors de ses debuffs, ben, il a vraiment rien d'autre à proposer. Et c'est en ça que le personnage est un peu mitigé, malheureusement. Ensuite, nous avons Aria. Donc, sa simple posture donne déjà une indication assez claire sur le type de personnage que c'est. Donc, c'est une soigneuse native 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles et qui propose en récompense de confiance un chapeau orienté soigneur. Donc, qui augmente de 15 points la défense physique, de 45 points la défense magique et qui augmente de 20% la résistance à l'eau. Et qui augmente de 15% les points de magie. Voilà. Non, c'est pas un accessoire que l'on privilégiera. Franchement, mais bon. C'est toujours ça. Donc oui, c'est une soigneuse, mais une soigneuse avec un set de capacités un petit peu limité, malheureusement, hein, contrairement aux meilleures soigneuses à l'heure actuelle, donc Ishtola, Rem, Refia et surtout Tilis. Donc elle possède en sort de soins uniquement Cura et Curaja, donc soin plus et soin max, donc elle a au moins Curaja, donc c'est toujours bien. Avec ses autres sorts, elle a Protect, elle a Shell, Protectga et Shellga, donc respectivement des sorts qui augmentent la défense physique et la défense magique sur cible unique et pour les versions les plus élevées sur toutes les cibles, enfin sur tout le groupe je veux dire. Le truc c'est qu'elle n'apprend pas nativement Dual Cast, donc il faudra lui donner cette capacité par le biais de la récompense de confiance de Ludmilla, donc c'est un peu le même souci que Refia possède à ce niveau-là. Et au niveau de ses capacités spéciales, alors, elle a déjà au niveau des passifs quelque chose d'assez sympa, puisqu'elle est nativement une résistance de 50% à l'eau, et se caste à tous les tours l'équivalent d'un soin max, d'un Curaja, donc seulement sur elle-même, hein. Par contre, hein, c'est pas en AO. Bon, l'intérêt d'un régène sur une soigneuse, je trouve ça assez limité, puisque généralement sur les gros boss, si une soigneuse se prend des patates dans la tronche, ben elle risque de succomber directement, et si elle survit, ben, au prochain tour de toute façon elle va lancer un soin, et vu le faible nombre de points de vie généralement des soigneuses, un seul soin suffit à la remettre à flot, donc pas besoin de régène supplémentaire, mais bref, elle a ça, on va pas se plaindre. Et à côté, ses autres passifs, c'est juste 20% de MP supplémentaire et 30% de défense magique. Ça, voilà, ça, c'est pas foufou. Elle a même pas d'auto-refresh d'ailleurs, ce qui est assez rare désormais pour des personnages 6 étoiles. Par contre, sa limite burst monte plus rapidement. Voilà, elle a un passif qui augmente de 100% le remplissage de la jauge, et c'est plutôt bien puisque sa limite burst, parlons-en immédiatement, hein, c'est un sort de soin sur toute l'équipe qui met 100% des points de vie et qui augmente durant 5 tours la résistance face à l'eau de 75%. Donc c'est une assez bonne limite burst. Et donc pour ses dernières capacités spéciales, elle a tout de même un Ezuna de zone. Donc ça enlève toutes les altérations d'état de l'équipe. Le problème c'est que c'est une capacité spéciale, ça ne peut pas être dual cast, c'est dommage. Et elle possède également un sort qui augmente un petit peu les MP de toute l'équipe durant 3 tours. Mais c'est pas un sort très violent, ça augmentera genre de 15-20 MP à chaque tour. Et elle possède surtout Mega Phoenix. Quand elle arrive au niveau 100. Mega Phoenix, donc, qui est une résurrection de zone et qui remet. Qui ressuscite les cibles avec 100% de leurs points de vie. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait que Riku et Tilis qui possédaient ce sort. Voilà, un troisième personnage qui le possède désormais. Donc, c'est plutôt sympa, mais. Donc, oui, elle a Mega Phoenix, mais à côté de ça, ses autres sorts, sont pas phénoménaux. Et ça ne peut malheureusement pas rivaliser avec justement Tilis qui a beaucoup plus d'outils
pour tirer son épingle du jeu. Donc là encore, bon, si vous avez dual cast, ça sera quand même une soigneuse qui vaudra le coup, je pense. Si vous n'avez pas mieux sous la main, hein, que si vous n'avez pas genre Refia, Rem, Ishtola, bah c'est plus possible de la récupérer maintenant si vous commencez la version Jap. Donc pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Le personnage est ok, de mon point de vue. Mais pas fou. Par contre, un personnage qui est qui va trouver un peu plus, enfin qui va faire un peu plus l'unanimité, c'est le Chevalier Oignon. Voilà, et cette bannière ne pouvait pas être totalement nulle. Hein. Il fallait bien un personnage pété, donc le natif 5 étoiles de cette bannière qui va jusqu'à 6 étoiles, le Chevalier Oignon, la classe emblématique de Final Fantasy 3. Et qui est ben, là tout simplement, à l'heure actuelle, le nouveau meilleur personnage du jeu. Si je trouvais déjà Dark Veritas meilleur que Orlandu, même si ça pouvait être sujet à débat, en tout cas sur les tier listes japonaises, ils n'avaient pas réellement tranché. Là, pour le Chevalier Oignon, ils l'ont clairement mis au-dessus de Dark Veritas et Orlandu. Alors pas de beaucoup, hein, on va le voir, le personnage est pas fou par rapport aux autres persos déjà existants, mais quand même, il a de sacrés arguments. Donc déjà, pour commencer, sa récompense de confiance, qui à elle seule est déjà un très très gros argument, puisque c'est une épée, à l'heure actuelle, bah, elle a tout simplement la meilleure épée du jeu, donc une épée non élémentaire, ça c'est quand même bien. Une arme non élémentaire, parce que jusqu'à présent, la meilleure épée, c'était la Moonblade de Delita, et c'était des dégâts de ténèbres, ce qui peut être handicapant pour certains combats. Donc là, on a eu une arme sans élément qui a 135 d'attaque physique, et qui donne des capacités. Alors, si elle est équipée sur n'importe qui, elle donne la capacité Blade Blitz, donc qui fait 140% de dégâts physiques sur toutes les cibles, donc ça c'est assez anecdotique. Mais si c'est le Chevalier Oignon qui l'équipe, et là ça devient très intéressant, il récupère une nouvelle attaque qui fait 520% de dégâts physiques répartis sur 16 hits. C'est ce qui deviendra sa meilleure attaque. C'est quand même assez fou. Le Chevalier Oignon. Alors, avant d'entrer dans le descriptif de ses capacités, je vais passer rapidement sur quelque chose d'assez amusant avec ce personnage, c'est qu'il reprend vraiment le concept du Chevalier Oignon tel qu'il était dans Final Fantasy 3, c'est-à-dire qu'à l'origine c'était une classe qui était extrêmement pénible à faire monter de niveau, pas à cause du nombre de points d'expérience plus réduit qu'elle obtenait ou quoi, non, c'est absolument pas ça, c'est les statistiques qu'elle possédait en fait sur une grande partie des... De la montée de niveau. C'était une classe qui avait des stats vraiment nulles, mais alors nulles. Et sur genre les 20-10 derniers niveaux, et ben il prenait plein de stats à chaque fois, jusqu'à arriver ben, aux meilleures stats du jeu une fois niveau 100. Et on retrouve le même concept donc dans Brave Exvius, c'est-à-dire que le personnage, durant toute sa 5ème étoile, et même une bonne partie de sa 6ème étoile en montant de niveau, ben, il sera vraiment ridicule en termes de statistiques, il sera presque inutilisable par rapport à d'autres personnages, mais arrivé aux alentours du niveau 90 et jusqu'au niveau 100, ben, il va récupérer un nombre de stats folles qui le fait monter dans les meilleurs personnages en termes de stats. D'ailleurs, ça devient aujourd'hui le personnage qui a la meilleure stat d'attaque physique native du jeu, puisque jusqu'à présent, les plus gros attaquants physiques possédaient 155 points d'attaque physique au niveau 100. Lui, il en possède 158. C'est pas beaucoup plus, hein, mais voilà, c'est plus. Il a également un très très bon set d'équipement, puisque globalement, la seule chose qu'il ne peut pas équiper dans le jeu, c'est les armes à feu et les masses d'armes. Tout le reste, il peut porter. Donc là aussi, c'est vraiment très très appréciable. Et donc, on va passer à ses capacités. Et là, bah, vous allez vous rendre compte que le personnage, il a du répondant. Donc déjà, au niveau de ses passifs, il est immunisé à l'aveuglement, la paralysie et la pétrification. Il a 30% de points de vie, de points de magie, d'attaque physique supplémentaire.
Il a également une résistance naturelle de 30% au feu, à l'eau, au vent et à la terre. Il a également deux passifs liés au remplissage de sa limit burst, donc elle se remplit 100% plus rapidement et à chaque tour elle monte naturellement un petit peu, sans que l'on ait besoin de récupérer des cristaux de limit burst. Il a également un passif qui lui augmente de 50% son attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée. Donc ce sera un monstre une fois qu'il aura débloqué sa récompense de confiance, hein, cela va de soi. Et cerise sur le gâteau, il possède ambidextrie. Voilà. Et contrairement à Lightning ou Lunes qui apprenaient cette capacité au niveau 100, lui la possède dès le niveau 1 de sa 5ème étoile. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il a des stats extrêmement faibles. Donc voilà, on va dire que c'est le moyen de l'utiliser dès le niveau 1, le fait qu'il possède ambidextrie comme ça, mais bon. Et c'est vraiment une vraie ambidextrie, comme Lunes et Lightning, il n'est pas limité à certains types d'armes. Donc déjà, rien qu'avec ça, on a un personnage qui a naturellement ambidextrie, qui a la meilleure attaque physique du jeu, surtout s'il porte une épée, et c'est pas un problème vu que son épée c'est la meilleure du jeu, en récompense de confiance, donc tout ça c'est très bien. Ah oui, puis il a également auto-refresh, hein. J'avais oublié de le préciser, mais bon, c'est même presque pas la peine de le préciser, en fait je devrais plutôt dire, mentionner plutôt les personnages qui n'ont pas auto-refresh à l'avenir, puisque quasiment tout le monde le possède ça. Et donc après, bah, ses capacités offensives, il en a pas énormément, mais elles sont toutes excellentes. Ah oui, j'avais oublié dans la liste de mentionner le fait qu'il a Undead Killer comme passif, donc 50% de dégâts supplémentaires face aux morts vivants. Donc oui, ses capacités offensives, donc il possède déjà un sort de zone qui fait 220% de dégâts physiques répartis sur 12 hits, donc ce qui veut dire que le personnage aura de l'intérêt en PvP, tout comme Dark Veritas, donc ça c'est déjà cool. Ensuite il possède 4 sorts qui fonctionnent de la même manière, donc des sorts élémentaires. Il a donc qui font tous 380% de dégâts physiques répartis sur 12 hits. C'est assez violent. Donc il a une attaque de feu, une attaque d'eau, une attaque de vent et une attaque de terre, avec la même puissance. Donc il a déjà un très bon panel de dégâts élémentaires. Et la petite cerise sur le gâteau, là encore, c'est que en plus donc de faire des dégâts élémentaires, c'est qu'au moment où il va lancer ce sort, ça fera en même temps une AOE sur l'équipe qui augmentera de 70% la résistance à l'élément opposé. Donc pour son attaque de feu, ça augmentera la résistance à l'eau. Pour son attaque d'eau, ça augmentera la résistance au feu, pour son attaque de vent, la résistance à la terre, et pour son attaque de terre, la résistance au vent. Donc non seulement ce sont d'excellents outils suivant le type d'adversaire que l'on affronte, mais en plus, il aura une possibilité de buff l'équipe avec durant le même tour, donc c'est quand même extrêmement appréciable. Et enfin, il possède une dernière attaque, donc toute bête, qui fait 400% de dégâts physiques répartis sur 12 hits, et cette attaque-là n'est pas basée sur un élément. Donc ça aussi c'est bien qu'il ait au moins une attaque non élémentaire. Voilà, en fait, pour le personnage, donc c'est très fort. Il n'a pas les meilleurs multiplicateurs de dégâts du jeu, hein. C'est pas du même niveau que Prish, le Veritas de feu et Baltier, mais comme il fait énormément de hits, ça sera bien meilleur pour les combos. Et donc oui, il a avec sa plus grosse attaque par exemple, donc un multiplicateur de 400%, exactement la même puissance de frappe que d'autres gros attaquants comme le Veritas de Ténèbres, Orlandu, Aileen ou bien encore Tidus. Voilà, qui eux, pour la plupart, possèdent en plus grosse attaque un 200% qui ignore la défense de 50%, donc ça revient du 400%, et Tidus lui aussi sa plus grosse attaque c'est 400% sans ignore défense. Voilà, et vraiment le gros avantage de ces capacités c'est qu'elles font toutes 12 hits,
C'est vraiment très très violent pour les combos. Bien, maintenant qu'on a fait le tour du personnage, et ben on va aller rapidement voir tout ça avec l'event de Final Fantasy 3. Un event donc de farm avec le roi Moogle, donc comme d'habitude. Les personnages de la bannière donnent un bonus de ressources s'ils sont présents dans notre équipe durant les combats que l'on fait. Voilà, 5 niveaux de difficulté pour cet event. On va aller sur le dernier niveau de difficulté. Mais l'event est pas très très passionnant. Hein. Et on va prendre avec nous... un petit chevalier oignon. Un chevalier oignon qui est très bien équipé. Qui est très bien équipé puisqu'il a déjà débloqué son Onion Sword. Donc on va pouvoir voir sa plus grosse attaque. Et cet ami a également eu le bon goût d'acheter auprès du roi Mog les équipements exclusifs à cet event. Donc des équipements pour le chevalier oignon. Alors, ces équipements peuvent être portés par n'importe qui sont capables de porter des casques lourds et des armures intermédiaires, mais ces équipements offrent des bonus exclusifs si c'est le chevalier oignon qui les équipe. Donc le chapeau, qui donne 15 points d'attaque physique et 20 points de défense physique, lui donnera en plus 15% de points de vie si c'est lui qui le porte, et pour son armure... ça augmente donc de 10 points l'attaque physique et de 40 points la défense physique, mais ça lui augmentera également, si le chevalier oignon le porte, sa résistance face au poison, à l'endormissement, à la confusion et au virus de 50%. Donc c'est plutôt très bon. Voilà, on peut le voir. Donc une immunité à l'aveuglement, à la paralysie et à la... et à la pétrification, et 50% de résistance à tout, toutes les autres altérations d'état, à l'exception du silence. Mais bon, vu qu'il n'a pas de sort de magie, voilà, c'est, on s'en fiche. Cela dit, bon, pour atteindre le plus gros stade d'attaque physique du jeu avec le chevalier oignon, bah malheureusement, son armure exclusive ne sera pas la meilleure armure. Vaut mieux lui équiper une armure lourde pour pouvoir bénéficier au maximum des récompenses de confiance de Leonhard, par exemple, qui augmente au total de 50% l'attaque physique si on est équipé d'une épée et d'une armure lourde. Donc, ouais. C'est pas vital d'avoir cette armure. Mais bref. Lançons le combat avec la petite musique de Final Fantasy 3. Donc j'ai également amené Sarah et Desh dans l'équipe. Je n'ai malheureusement pas réussi à pull Aria et pas le chevalier oignon non plus, hein. Faudrait pas imaginer que je puisse avoir de la chance un jour. Donc testons un peu ses attaques au chevalier oignon, hein, puisque c'est quand même le MVP. Donc son sort, voilà, en AOE. Donc c'est pas des attaques très impressionnantes visuellement, les sorts du chevalier oignon, mais voilà, ça fait des hits très très rapprochés et qui démarrent très rapidement. Donc c'est vraiment des sorts parfaits pour les combos, et finalement c'est tout ce qu'on lui demande. Or tiens, on va un peu débuffer ses adversaires avec Desh par exemple. L'attaque et la défense. Voilà, même si ça fait un effet de foudre, c'est absolument pas un sort basé sur la foudre, de toute façon ça ne fait pas de dégâts, c'est juste une AOE qui débuff. Et donc on va lancer un des sorts élémentaires du chevalier oignon, tiens par exemple le sort de vent. Donc là par contre c'est sur cible unique. Ça fait vraiment beaucoup de hits, et ça augmente donc de 70% la résistance à la terre pour toute l'équipe. Ce qui est quand même assez violent. Voilà, après dans le cas de Sarah, bah, on peut lui faire un encouragé. Voilà, c'est le mieux qu'elle peut proposer, je pense. On va se protéger avec les autres. Ah mon dieu, les personnages sont confus. C'est pas très grave. Hein. Réveillez-vous. Et on va faire l'attaque non élémentaire du chevalier oignon. Voilà, fou, 12
est à entre 40 et 60 000 de dégâts, c'est... Ça picote. Ça picote vraiment beaucoup. Ok. Tiens, on va tester une autre attaque avec, avec Dash. Son attaque qui permet de diminuer de 50% la résistance d'une cible face à la foudre, au moins pour voir l'animation de l'attaque. Voilà, le mec il fait pas des dégâts de fou, hein, vu que de toute façon le personnage, même si on essaye de bien l'équiper, il atteindra jamais des montants d'attaque physique très très élevés. Et on va lancer le plus gros sort du Chevalier Oignon. Voilà. Qui donc est débloqué avec, avec sa récompense de confiance, s'il équipe l'Onion Sword. Ça fait extrêmement mal. Mais encore une fois, c'est pas très impressionnant visuellement. Mais c'est pas important. C'est pas important. Ah oui, puis... Il faut montrer également sa limite burst. J'ai totalement oublié d'ailleurs de décrire l'effet de sa limite burst. Mais là encore, c'est juste la folie. C'est tout simplement la meilleure limite burst offensive de tout le jeu. Puisque... Elle fait de base... donc en 6 étoiles, 680% de dégâts physiques répartis sur 16 hits. Alors elle ne bénéficie pas de l'ambidextrie cette attaque, mais tout de même, ça fait extrêmement mal. Et au passage, ça, ça augmente de 50% l'attaque physique de toute l'équipe durant 3 tours, et ça diminue de 50%. La défense physique de toutes les cibles touchées par, par cette limite burst. Donc c'est quand même vachement fort. Et donc voyons l'animation, qui elle pour le coup est assez sympa. Et donc c'est un sort en AoE. Ça fait mal. Bien! On arrive au boss, donc le boss de cet event, alors je sais pas si en deuxième semaine il y aura un adversaire plus puissant qui nous sera proposé, bah, si c'est le cas je referai une vidéo pour vous montrer ça, mais pour l'instant Ayn, bah, c'est le plus gros boss de l'event et bon, il est pas très très fou. Après il a quand même une mécanique un peu particulière, c'est qu'il ne... c'est qu'on ne lui fait quasiment pas de dégâts. Il est quasiment immunisé aux attaques magiques, aux attaques physiques. Alors comment lui faire mal? Et bah tout simplement attendre un tour. Alors on va le débuffer tout de même. Puisque lui il utilise que des sorts magiques. Et nous on va se buffer. Voilà. Vous allez voir qu'au tour suivant, donc il va nous attaquer. D'ailleurs il peut infliger confusion sur un membre de l'équipe. Donc là il a infligé à Dash. Il balance des sorts de poison et des sorts de... et des sorts élémentaires. Et alors il y a eu un effet comme Reflect, mais ce n'est pas Reflect, hein, c'est juste en fait un debuff qui se lance automatiquement qui va lui diminuer sa résistance face à un élément précis. Donc là pour le coup il est vulnérable à la glace. Donc on peut lui faire des dégâts magiques. Mais ça sera particulièrement la glace face à laquelle il sera vulnérable. Parce qu'on peut essayer hein, d'attaquer physiquement, mais... Voilà, il sent quasiment rien. Alors que... Là, on va balancer la Chaos Wave de Trans-Terra et Blizzaga. Voilà. Ça ne fait pas un pli, le personnage il doit avoir quoi, environ 400 000 points de vie. Et c'est le GG. Voilà donc pour cet event et cette bannière Final Fantasy III. Bon, une bannière pas forcément très folle à mon goût. L'event est pas très très intéressant. Bon, les récompenses que l'on peut farmer auprès du Roi Mog, ben, ce sont les récompenses habituelles. Vous avez vu également les équipements exclusifs donc, que l'on pouvait récupérer et qui sont plus ou moins liés au Chevalier Oignon. Il n'y a rien de plus à noter chez le Roi Mog, donc je vais même pas y faire un tour pour vous montrer ça. Et la bannière FF3, donc les nouveaux personnages, bah en dehors du Chevalier Oignon, c'est pas non plus la folie. Arya, si vous n'avez pas de meilleur soigneur, bah ça peut éventuellement valoir le coup. Dash, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit très intéressant d'avoir un personnage spécialisé dans les debuffs.
n'importe quelle équipe. Et puis, ben, Serra, voilà, c'est... On s'en fiche, globalement. Donc, bah, si vous avez de la chance et que vous piochez le Chevalier Oignon, félicitations, vous avez le meilleur personnage du jeu. Pendant combien de temps, je sais pas, mais pour l'instant, c'est le meilleur. Et puis, sinon, je pense pas que ce soit une bannière sur laquelle il faut Hartpool. En tout cas, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et je vous dis à une prochaine vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brevectus.